Mes très chers curieux, les reptiliens, les Illuminati, la Terre creuse, la Terre plate, les extraterrestres, les fantômes, tout ça, c'est de la rigolade. Il existe une parenthèse, une bulle, un univers dans lequel une tonne de gens affirment avec beaucoup de certitude plein de trucs à nous en faire tourner la tête. Qui croire, qui pas croire, et surtout comment savoir qui et que croire? Tremblez, car l'enjeu n'est autre que l'impact que vos choix auront sur le développement de votre enfant. Bienvenue au pays des merveilles de la naissance humaine et son cortège de peurs irrationnelles. Petite nouveauté dans Fake Point d'interrogation, le sommaire est également disponible dans la description avec des liens qui vous mèneront vers le moment de la vidéo où tel sujet est abordé. Donc c'est plus pratique pour partager ou montrer un extrait à un pote en particulier. On a pas mal de matière à digérer, alors on va tout de suite passer en revue le sommaire. Si tout se passe comme je le pense, ça sortira en 5 vidéos. Bah ouais, croyez-moi, faut au moins ça. Première vidéo, donc celle-ci, on va parler des outils. Hein, on va se créer... des outils pour aborder tous ces sujets. Alors bon, j'en ajouterai peut-être en cours de route, on n'utilisera peut-être pas tous les outils dans les 5 vidéos, mais une chose est certaine, si vous ne maîtrisez pas ces outils de vérification de l'information, vous allez vous faire pigeonner comme jamais. Si vous n'êtes pas familier avec les méthodes de la pensée critique, il est fort probable que vos outils actuels soit ceux qu'on a tous en nous depuis toujours. Faire confiance à ce que dit la personne la plus convaincante. Par exemple, une amie qui a toujours une belle façon d'exprimer ce qu'elle pense et qui a prouvé qu'elle était très intelligente. Faire confiance à ceux qui travaillent dans le corps médical. Et pas juste votre gynéco, hein, mais aussi les sages-femmes, les infirmiers, votre médecin traitant, etc., etc. Faire confiance à ceux qui ont de l'expérience, comme votre maman, une amie qui a eu plusieurs enfants, etc. Faire confiance à ceux qui confirment ce que vous pensiez déjà. Par exemple, si vous êtes sensible à l'écologie, ben, vous allez avoir tendance à faire confiance à ceux qui défendent le fait d'utiliser des couches renouvelables ou... tout autre argument plus ou moins proche de l'écologie, un effet d'association. Faire confiance à votre intuition, votre ressenti. En plus, tout le monde vous le conseille. Par exemple, votre bébé pleure à une heure inhabituelle et vous sentez au fond de vous qu'il se passe quelque chose. Alors, bah, vous filez aux urgences. Faire confiance à Internet et ces forums remplis de témoignages de parents qui sont dans votre cas. Ces outils-là, qu'on a tous en nous sans jamais l'avoir appris, donnent lieu à toutes sortes de discours différents et même souvent contradictoires. Alors, soufflez un bon coup, rassurez-vous parce que les méthodes de la pensée critique sont là pour vous aider à faire des choix logiques et rationnels. Si vous utilisez bien les outils que je vais détailler dans cette vidéo, bah vous serez bien armé pour ne plus tomber dans les arnaques, les fausses croyances, les peurs irrationnelles, etc., etc. Ça vous permettra de gagner du temps, de l'énergie, évacuer le stress inutile et optimiser votre capacité à trouver les bonnes réponses à n'importe quelle question factuelle. Alors j'insiste sur le terme « question factuelle » parce qu'il y a aussi des questions qui relèvent de l'opinion. Et là, ben, le rôle de la pensée critique est très différent, mais ça on en reparle plus loin. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Ben, moi j'ai toujours dit que les méthodes de la pensée critique étaient comparables à un super pouvoir. Ça aussi on va en reparler. Vidéo 2. Là on va parler de ce qu'on appelle le préconceptionnel, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne ce qui se passe avant que vous ne receviez le test de grossesse positif. Peut-on choisir le sexe de son enfant, la couleur de ses yeux? On va parler de la contraception, de la fertilité, etc., etc. Vous verrez que c'est vraiment pas aussi évident qu'il y paraît, et les pièges sont déjà très nombreux à ce stade. Je ne ferai pas de vidéo sur le conceptionnel en lui-même. Il y a des sites spécialisés qui s'en occupent déjà très bien, et non, ils ne sont pas en lien dans la description de la vidéo. Vidéo 3, la grossesse en elle-même. Donc après le préconceptionnel, on s'occupera du prénatal. On parlera d'avortement, de signes astrologiques, de sushi, de Mozart. Et vous verrez que ça manque pas de folklore et que si on n'y prend pas garde, ben on se retrouve très vite à sortir le portefeuille pour des choses inutiles qui marchent pas. Vidéo 4, là ce sera tout ce qui concerne l'accouchement en lui-même. Donc la péridurale, l'épisiotomie, les méthodes d'accouchement, etc., etc. On entend tout et n'importe quoi sur ces sujets. C'est vraiment un sacré morceau. Vidéo 5, le bébé est enfin là, c'est le début de la fin. Une vidéo qui n'aura rien envie à ses petites sœurs. On nage toujours en plein gloubi-boulien d'informations avec des sujets comme la mort subite, le lait maternel, hein, donc vaut-il mieux donner le sein ou le biberon, sur quoi ça repose, les couches, les vaccins, l'éducation, etc., etc. Je peux déjà vous garantir un truc. Que vous soyez parent, futur parent, ou que vous n'en ayez rien à caler de la maternité, ces vidéos vont être un des meilleurs supports
que j'ai eue pour pouvoir utiliser les méthodes de l'esprit critique face à une marée d'informations pour lesquelles on n'a aucune compétence particulière. Oui, je suis un homme, je ne suis pas encore père, même si ça va pas tarder. Je ne suis ni médecin ni diplômé, et pourtant, je vais faire un sacré ménage dans le foutoir auquel s'exposent tous les futurs parents. Alors pourquoi je sais que je suis légitime pour parler de ça? Eh bien parce que je connais les méthodes de la pensée critique, ainsi que la méthode scientifique, que j'ai compris pourquoi ces méthodes de vérification étaient les meilleures, et je dirais même les seules à être vraiment efficaces. Quand je vous parlais de super-pouvoirs, ayez en tête que ce sont ces méthodes, et rien d'autre, qui ont permis aux avions de voler, au cancer d'être soigné, à cette vidéo d'être vue à des kilomètres à la demande quand vous voulez, à notre espérance de vie d'être multipliée par deux en un siècle. Tout ça, c'est la méthode scientifique et rien d'autre. J'espère que vous êtes ouvert à la remise en question, prêt à suspendre votre jugement, hein, c'est-à-dire mettre de côté vos convictions le temps de la vidéo, parce que n'ayez pas peur, hein, elles seront encore là après, vos convictions, et que vous serez prêt à supporter la contradiction, parce que il y a sûrement un truc sur lequel vous allez buter. Si vous êtes choqué par un de mes propos, bah soyez méthodique et vérifiez avant de me contredire. Allez, en route! Comme tout bon aventurier, nous devons d'abord nous prémunir d'outils pour dégager le terrain, car sur la route, nous allons croiser de nombreux dangers. Le mauvais journalisme, comment le repérer? Les conseils vraisemblables, hein, qui paraissent vrais donc, mais qui le sont en fait pas du tout, comment le savoir? Des professionnels de la santé qui sortent de leur cadre de compétences, comment s'en rendre compte? Que vaut leur avis? Des gens qui se prennent pour des exemples à suivre? Comment trier dans ce qu'ils disent? Des professionnels de métier, métier dont on n'a jamais réussi à prouver l'efficacité, voire pire, dont on a pu prouver l'inefficacité? Comment les repérer? Des vendeurs, alors là, des vendeurs, votre portefeuille, il va prendre cher. Portefeuille cher, parce que... ça sert à payer... Et j'en passe et des meilleurs. Alors, ouvrons le menu. On va commencer par les illusions logiques, qu'on appelle aussi les arguments rhétoriques ou encore les sophismes, même si ces trois trucs sont pas totalement la même chose. Premier outil, le détecteur d'a priori. Quand on vante les mérites d'un objet, d'une méthode, même d'un aliment, hein, etc., en général, on y adjoint un argument qualitatif pour appuyer le fait qu'il est meilleur ou qu'il est bon. On dit par exemple « c'est plus naturel »,« ça vient de nos grands-mères »,« attention, c'est chimique »,« c'est nouveau »,« c'est utilisé par 9 parents sur 10 »,« c'est beau »,« c'est bien dit », etc., etc. Tous ces arguments sont en réalité des jugements de valeur, des opinions, qui n'offrent aucune garantie. Ce sont des a priori, et bah ils sont propres à chacun. Prenons le cas de la première affirmation, c'est plus naturel. Alors ça, c'est un truc qu'on nomme l'appel à la nature. Donc selon le bon sens invoqué dans un cas d'appel à la nature, plus une chose est naturelle, plus elle est bonne, et à contrario, moins une chose est naturelle, plus elle est mauvaise. Bah alors j'ai envie de poser une question toute bête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est rationnel comme argument? Est-ce que c'est fiable? En somme, bah, est-ce que c'est vraiment utile? On entend par exemple que l'orange est un laxatif naturel. Ne rigolez pas, parce que c'est vraiment le genre d'info qui est importante pour vous, mesdames, quand vous serez enceintes, parce que il y a vachement moins de place là-dedans, et donc bah, vous verrez que ce sera assez bienvenu. En plus, la plupart des médocs vous sont interdits, donc... Ce qu'on sait par rapport à l'orange, c'est que c'est la vitamine C, les fibres et le naringétol qui font cet effet laxatif. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous absorbez ces composants dans les mêmes quantités sous la forme d'une gélule, bah, vous aurez exactement le même effet laxatif que l'orange. Seulement, une telle gélule, pourtant à tout point identique à l'effet recherché à l'orange, on ne dira pas que c'est un médicament naturel. Du coup, je pose d'emblée une question. Qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui l'est pas? Sur quoi ce qualificatif naturel nous renseigne réellement? Est-ce que les femmes qui meurent en couche dans le désert parce qu'elles n'ont pas eu des soins médicaux modernes, c'est naturel? Est-ce que mon chat qui torture un insecte en jouant pendant des heures avec sa carcasse agonisante, c'est naturel? Un barrage de castor, c'est naturel? Si l'argument naturel n'est une chose positive que quand ça nous arrange,
Bah c'est pas un argument. Du coup, l'orange, c'est quoi? C'est un laxatif naturel? Bah non, l'orange, c'est un laxatif, point barre. Du coup, ce mot naturel, il nous renseigne sur quoi, à part le fait que ça se trouve dans la nature à l'état sauvage? Tout ce qui se trouve dans la nature à l'état sauvage est mieux. Le fait que ça pousse sur un arbre, ça n'en fait pas un meilleur laxatif qu'un autre, hein. C'est très bon pour la santé, une orange, hein. Attention, je dis pas le contraire. Mais c'est pas le sujet. En plus, bah y a d'autres laxatifs naturels qui, eux, sont très mauvais pour la santé. La manite phalloïde, par exemple. Sauf que lui, bah en plus, il vous tue. La manite phalloïde, il est naturel ou pas? Alors je sais, les fervents défenseurs du naturel me diront que ben, c'est une moyenne, c'est une statistique. Globalement, ce qui est qualifié de naturel a plus de chances d'être meilleur, par opposition avec ce qui est industriel, par exemple, ou ce qui est issu de l'agriculture standard, hein, avec les pesticides, tout ça. Ce qui est assisté par des machines, etc. Enfin bref, beaucoup de choses relatives à l'avancée de notre civilisation. Et c'est pas suffisant que ça parle à l'intuition, il faudra encore vérifier si c'est vrai. Parce que dans ce cas, moi j'ai envie de vous demander comment ça se fait qu'on a doublé notre espérance de vie ces 100 dernières années. Ah oui, doublé. Et puis surtout, comment ça se fait, quelle explication se cache derrière le fait que l'appel à la nature n'a jamais réussi à prouver que c'était un argument fiable, ou même juste utile. Alors attention, hein, comme n'importe qui, je pourrais vous inonder d'arguments en faveur de l'appel à la nature, ça c'est vraiment pas difficile du tout. Et si je ne faisais que ça, bah je réussirais probablement à vous convaincre et tout ça deviendrait vraisemblable. Mais pour savoir si une chose est vraie, il faut plutôt s'intéresser aux arguments contre, et non pas les arguments en faveur. Les arguments contre permettent de savoir si une chose est non pas vraisemblable mais vraie, ce qui ne s'estime pas au pif, ni avec l'intuition, ni avec l'impression, ni avec ce qu'on croit ou notre expérience ou quoi que ce soit. Ça s'expérimente. Et c'est exactement ça, la méthode scientifique. La science, ce n'est pas l'ensemble des hypothèses qui ont plein d'arguments en leur faveur. Ça, c'est le dogme, c'est la croyance. La science, c'est l'ensemble des hypothèses qu'on a essayé de prendre en défaut, qu'on a essayé de démolir, hein, grâce à des méthodes diverses, hein, des protocoles très stricts, très solides, mais dont on n'a pas réussi à prouver que c'était faux. Retenez bien ça, parce que c'est très 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 important. Si les arguments contre échouent à prouver que c'est faux, c'est que c'est très probablement vrai. C'est comme ça que fonctionne la science. Un excellent moyen mnémotechnique, c'est de retenir cette phrase. La science n'avance qu'en cherchant à prouver qu'elle a tort. Et la science, je vous le rappelle, c'est le seul truc qui fait que le taux de mortalité en couche est passé en Europe d'approximativement 1 cas sur 100 à 1 cas sur 10 000 en 2 siècles. C'est-à-dire bah, depuis que la méthode scientifique existe sous sa forme actuelle. Les chiffres exacts sont dans la description, donc ça va, vous pouvez aller voir. Donc, premier outil, quand on entend un a priori comme le qualificatif naturel, c'est de chercher non pas ses vertus, mais ses faiblesses. Donc en l'occurrence, bah, l'appel à la nature, ça nous indique en fait absolument rien. À part que l'orange, on peut la trouver sur des arbres. Ce qui n'intéresse généralement que très peu les personnes en recherche d'un laxatif efficace. Vous pouvez du même coup rayer un de ces opposés de la liste, hein, l'argument de la nouveauté, qui voudrait dire que plus une chose est nouvelle, plus elle est bonne. Il n'y a aucune raison que ce soit vrai. Et à ça, on peut opposer l'appel à la tradition, puisque c'est traditionnel, c'est forcément mieux, hein, pas vrai? Ce qui n'a aucun sens logique, parce que sinon, bah, je pense qu'on referait des sacrifices humains, des saignées, on utiliserait des épées pour faire la guerre. On met aussi le chimique en opposition au naturel. J'entends parfois un truc qui me fait hérisser les poils, c'est si vous savez pas prononcer un ingrédient, ne le mangez pas. Ok, bah donc ne mangez plus du tout ceci. Est en réalité la composition chimique de la fraise. En réalité, tout est à la fois naturel et chimique. On peut tout mettre dans ce qui est naturel et on peut tout mettre dans ce qui est chimique. Bon, bah, je pense que vous avez compris, je pourrais aussi ajouter les arguments de l'aliment transformé, de l'alimentation industrielle, du synthétique, du bio, etc., etc. Tous ces qualificatifs qui se contredisent les uns les autres et qui, en fait, ne représentent aucune aide pour savoir à quoi vraiment s'en tenir. Je hais les marchands de glace. Non, c'est pas vrai, j'aime ça. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, il est vrai que globalement, ce qui est issu de l'alimentation industrielle est moins bon, mais c'est pas pour les raisons qu'on croit.
Les bonnes raisons, on vous les martèle à longueur de journée, vous les connaissez et vous vous en caillez complètement. Vous les connaissez les bonnes raisons, si si si. Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. C'est pas systématiquement parce que ça sort d'une barquette surgelée que vous êtes en train de bouffer de la merde. Tous ces arguments sont des a priori. On va faire simple, hein. Tous ces procédés d'identification, ils parlent en fait à notre intuition, au sens commun. Ils nous rassurent sur nos choix éthiques. Vous ne lirez jamais dans une publication scientifique des mots comme « c'est plus naturel, c'est moins chimique », etc. Pour la seule et unique raison que ça ne veut rien dire. Ce sont de faux outils. On croit comprendre quelque chose de rationnel, mais en fait, ça ne renvoie qu'à un ensemble de croyances populaires sans fondement qui ne résistent pas à la vérification par la mise à l'épreuve. C'est ce qui est écrit là. Ce sont des opinions qu'on confond avec du rationnel. En revanche, notre détecteur d'a priori, lui, est un outil précieux qui nous renseigne déjà sur un point très important. Ceux qui utilisent de tels arguments, des arguments d'a priori, pour tenter de nous convaincre, en fait, ce qu'ils nous dévoilent, c'est qu'ils ont des méthodes de vérification pas très très fiables. Il va falloir vérifier ce qu'ils disent avec le double de prudence. Ce sont des gens qui, en fait, vous avouent qu'ils se basent sur leur intuition, sur le sens commun et populaire, et non pas sur la vérification par la mise à l'épreuve des informations qu'ils répandent. Ils pensent que vérifier, c'est regarder ce qui confirme un propos. C'est donc avec une très mauvaise méthode qu'ils accumulent des connaissances et la transmettent. Aussi sympathique soit-il et pétri de bonnes intentions, je ne remets absolument pas ça en question, même très loin de là en général, hein. Alors vous allez me demander quels sont les arguments qui valent peut-être, mais en fait, c'est vachement simple, hein. On pourrait dire par exemple que l'orange est un laxatif efficace, ou encore que l'orange est un laxatif scientifiquement prouvé. Encore que, quand je lis par-ci par-là, c'est scientifiquement prouvé, beaucoup de journalistes et beaucoup de gens prétendent qu'une chose est scientifiquement prouvée alors qu'en fait elle fait encore vachement débat. Il y a toujours ce truc du journaliste qui va bondir sur une étude qui prouve que, et il va pas voir qu'en face il y a 500 études qui ont reproduit exactement les mêmes conditions de protocole, et où ça a échoué. Et ils vont aller dire que c'est scientifiquement prouvé par une étude que, alors qu'en fait, c'est scientifiquement prouvé que non. Et tout ça, ça crée très vite des adeptes, surtout quand ça parle à l'intuition. Et les plus gros adeptes de ce genre de problème logique finissent même par accuser Big Pharma d'avoir financé les 500 études en face, le complot des industriels de la santé, le lobby des méchants riches qui veulent rendre le monde malade pour s'enrichir, sans se rendre malade eux-mêmes, ni rendre leurs amis malades, bizarre. Et curieusement, sans qu'un seul scientifique travaillant pour eux ne les dénonce. Il n'y a pas de secret. Cultivez le doute et vérifiez les informations pour lesquelles vous avez un doute, en recherchant tous les arguments proposés contre l'hypothèse qui est mise en avant. Par exemple, si je veux savoir si ma femme enceinte peut manger des sushis, eh ben, je vais d'abord rechercher pourquoi elle ne pourrait pas manger de sushis. Parce que si je cherche les arguments qui disent qu'elle peut manger des sushis, ben évidemment que je vais en trouver. Et je passerai probablement à côté des arguments qui, un peu plus intenses, un peu mieux documentés, pourraient me faire changer d'avis. On en reparlera d'ailleurs, comme je l'ai dit, des sushis, dans la vidéo 3. Femmes enceintes, en attendant, évitez les sushis. Hein, sauf si vous êtes en Angleterre, et ça aussi, je vous expliquerai pourquoi. Il y a plein d'exemples et de sources dans la description, n'hésitez pas à y aller si vous avez des doutes, ou si vous vous posez des questions. Outil suivant, le vérificateur de connexion. Après le détecteur d'a priori, ça c'est un de mes petits préférés, le vérificateur de connexion. Est-ce que vous connaissez la différence entre corrélation et causalité? Par exemple, quand une maman fait un bisou magique à son enfant, eh ben l'enfant a immédiatement moins mal, la plupart du temps, en tout cas dans cet exemple. Alors, corrélation ou causalité? Alors, il y a une corrélation entre le bisou magique et la diminution de la douleur, hein, ça c'est certain. En revanche, est-ce bien une causalité? C'est-à-dire, est-ce bien le bisou qui est magique et qui a diminué la douleur grâce à sa magie? Ben non, hein, en réalité, c'est la confiance de l'enfant en sa maman qui est la cause. Et parfois même, cette confiance crée ce qu'on appelle un effet placebo, ouais, qu'on appelle plutôt aujourd'hui d'ailleurs effet contextuel. Et ça, ça fait que le cerveau de l'enfant produit physiquement de la morphine endogène, de l'endorphine, qui aura un réel effet antidouleur, hein, physique, comme s'il avait reçu une injection. Pas du tout imaginaire, donc. Pour le bisou magique, c'était facile à deviner qu'il n'y avait pas de causalité
entre le bisou et la disparition de la douleur. Mais en revanche, vous verrez que c'est nettement plus compliqué quand on parle d'homéopathie, de césarienne, de vaccin, d'ostéopathie, d'allaitement, etc., etc. Beaucoup de corrélations sont prises pour des causalités. Et ça, c'est dangereux, parce que vous pourriez croire que vous êtes en train de vous attaquer à la cause d'un problème, et en fait, pas du tout. Vous vous attaquez à une corrélation. Faut toujours être très vigilant quand quelqu'un affirme qu'une chose en cause une autre. Je peux vous en citer des plus compliqués, hein. Par exemple, on observe que dans les familles où on mange beaucoup de plats préparés, eh bien, il y a plus souvent de délinquance que dans les familles où on mange équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que manger équilibré réduit la délinquance? Et donc que la malbouffe favorise la délinquance? Si on n'y prend pas garde, bah, on pourrait le croire. Mais quand on prend un peu de recul, bah, on constate surtout que les familles dans lesquelles on mange mal, et les enfants délinquants, appartiennent tous deux à un autre groupe. Le groupe des familles les moins aisées. Et ça, on sait que la pauvreté a tendance à favoriser la malbouffe et la délinquance. Vous voyez, corrélation n'est pas causalité. Vous étiez prêt à attaquer les gens qui mangent mal parce qu'ils créaient des délinquants, et en fait, le responsable, c'est la pauvreté, qui n'a rien à voir avec les gens qui mangent mal. Enfin si, mais pas causalité. Vous verrez donc que c'est un outil extrêmement précieux pour pas se faire avoir par toutes sortes d'affirmations effrayantes. Du genre, les jeux vidéo rendent violents. N'importe quoi. Outil suivant, le testeur d'accusateur. Après le détecteur d'a priori et le vérificateur de connexion, voici le testeur d'accusateur. Alors en fait, c'est un principe tout bête, mais c'est vachement important de le garder en tête parce que ça fonctionne encore très 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 bien aujourd'hui. Quand vous écoutez quelqu'un dénoncer des problèmes avec justesse et que vous vous alignez parfaitement avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle dénonce, eh bien vous allez automatiquement avoir tendance à faire confiance au jugement de cette personne. Bah oui, puisque vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit, pourquoi n'aurait-elle pas également un bon avis sur des questions que vous n'êtes pas encore posées? Or, ce n'est pas parce qu'on sait pointer du doigt un problème avec brio et pertinence qu'on est forcément le mieux placé pour trouver la bonne solution à ce problème. Et c'est un petit jeu qui marche vachement bien en politique, hein. En pleine période électorale, en général, on remarque comme ça que le candidat qui dénoncera le mieux les problèmes de la société, bah, il rassemblera le plus de votes, parce que on dirait qu'il comprend les malheurs que vivent les électeurs. Je vous ai compris! Il comprend les problèmes du peuple. Mais est-ce qu'il a pour autant les bonnes solutions à appliquer à ces problèmes? À nouveau, un exemple un peu plus simple, un peu plus grossier, mettra les choses en lumière. Si je dis qu'un feu de signalisation est en panne sur le carrefour, est-ce que je suis la meilleure personne, la mieux placée, pour réparer le feu de signalisation? Absolument pas! Ben voilà, c'est pareil. Dans cet exemple, c'est facile à détecter. Mais quand quelqu'un viendra vous expliquer avec des preuves que l'hôpital le plus proche de chez vous a une maternité très mal cotée, et donc qu'il vaut mieux que vous accouchiez à domicile, est-ce que cette personne est vraiment la mieux placée pour vous conseiller d'accoucher à domicile? Une personne un peu trop convaincante, un peu trop motivée, ou même pétrie de trop bonnes intentions, parce qu'on a toujours envie d'aider, et bah, elle pourra vous faire passer à côté du fait qu'à 5 minutes de plus en voiture, vous avez un hôpital de très très bonne qualité, très bien réputé. Et au fait, est-ce que cette personne, elle sait que l'accouchement à domicile est très dangereux si c'est votre première enfant, ça augmente énormément les risques? Est-ce qu'elle en a tenu compte quand elle vous a conseillé? Est-ce qu'elle est compétente pour prononcer un tel conseil? Hein, en vous regardant dans les yeux, pas besoin d'échographie, pas besoin de prise de sang, rien du tout, elle sait que vous pourrez accoucher à domicile? C'est pas qu'elle vous veut du mal, mais c'est comme ça. Retenez donc, grâce au testeur d'accusateur, que qui accuse bien n'a pas pour autant la solution adéquate. Eh oui, en plein milieu de la vidéo. Je suis très 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 heureux d'avoir enfin repris le format fake, point d'interrogation. Ça fait presque un an et demi, hein. J'aimerais tellement en sortir beaucoup plus, d'autant que bah, je vous l'avais déjà dit, j'ai une dizaine de sujets en préparation. C'est pas du tout de la blague. Mais c'est beaucoup 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 de travail, et le travail c'est du temps, et le temps c'est... Tipeee! Vous l'avez pas vu venir celle-là! Je suis bien obligé à un moment, hein. Nous sommes plus de 40 000 sur cette chaîne, alors que je ne l'alimente que très irrégulièrement. J'en conclus que si je sortais, bah, je sais pas moi, une vidéo par mois, non seulement la qualité de mes vidéos montrées en flèche, on serait en plus de plus en plus nombreux, ce qui est vachement chouette, et moi, bah, je pourrais considérer ça comme du vrai travail. Parce que comme vous, le temps que je consacre à ce que je fais, ça doit me rapporter de l'argent, y a pas le choix. Je pourrais y consacrer plus de temps, je pourrais faire des recherches
recherches plus ambitieuses. Je sais pas, moi, je pourrais me déplacer pour rencontrer des spécialistes. Vous n'avez pas idée à quel point ça me démange d'aller carrément interviewer les gens compétents pour appuyer ce que je dis. Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend principalement de vous et de votre générosité. Bienvenue en 2018. Alors moi j'ai l'habitude d'être transparent, peut-être c'est pas une bonne chose, mais en tout cas c'est comme ça. Dans mes calculs, si mon Tipeee atteignait environ 1000 euros mensuels, hein, c'est-à-dire si un abonné sur 40 s'engageait pour 1 euro par mois, je pense que je pourrais réaliser bien plus d'une vidéo par mois. On est actuellement à environ 200 euros, c'est donc pas du tout si impossible que ça, sinon je vous embêterais pas avec ces conneries. Et en plus j'ai mis plein de trucs sympas sur Tipeee, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez me demander des énigmes, des blagues nulles, me lancer des défis, avoir une conversation live avec moi. C'est un honneur. Vous pouvez me demander de chercher pour vous des infos sur un sujet qui vous préoccupe, ou même carrément choisir le sujet d'un épisode tout entier de Fake Point d'interrogation. Les liens sont dans la description et dans les fiches, alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez envie de faire un achat compulsif, ou ne rien faire et profiter du contenu de cette vidéo qui vous est offert de bon cœur par les 40 tipeurs qui me soutiennent actuellement. Merci à eux du fond du cœur. Allez, jamais pas trop ça, mais fallait le faire, c'est chose faite. Allez, on reprend le cours de la vidéo. Outil suivant, l'examinateur de compétences. On peut pas toujours tout vérifier. Il faut savoir s'en remettre à une autorité qui est en charge de connaître l'état de l'art sur un domaine précis. C'est toute la complexité de ce qu'on appelle l'argument d'autorité. S'il est plutôt facile de détecter que votre vétérinaire n'est pas mieux placé que votre épicier pour vous parler de soins dentaires, alors que vétérinaire et dentiste font tous les deux partie du corps médical, c'est nettement moins facile de savoir quand, par exemple, une sage-femme sort de son domaine de compétences. Écoutons par exemple un extrait de cet excellent article écrit par Dominique Bayot, gynécologue, professeur à la Haute École Léonard de Vinci et membre du Conseil fédéral des sages-femmes. J'ai un demi-siècle d'expérience de clinique gynéco-obstétricale et j'ai dirigé une maternité bruxelloise pendant 20 années. J'ai aujourd'hui le privilège d'être enseignant dans une haute école et membre du Conseil fédéral des sages-femmes. J'ai ainsi pu percevoir le monde qui sépare les deux axes de formation et qui freine une reconnaissance mutuelle de nos deux professions. L'obsession des médecins est de traquer la pathologie, celle des sages-femmes est de respecter la physiologie. Donc le but du médecin, c'est de tuer la méchante maladie, alors que le but de la sage-femme, c'est que le gentil patient vive un accouchement serein et classique. Ces visions complémentaires, mais apparemment opposées, ont fait que les premiers, à force de précautions, en sont venus à induire, dans certains cas, une pathologie iatrogène, que reflète par exemple un excès incontestable de césarienne dans certains services, et chez les secondes, de s'obnubiler sur la physiologie au point parfois de ne pas reconnaître à temps une pathologie qui s'installe, et d'obliger les gynécologues, appelés tardivement, à faire office de pompiers, ce qui les met eux aussi dans une juste colère. Bon, alors je traduis parce que là c'est quand même du langage de médecin. En gros, ce qui est dit, c'est que les médecins sont tellement obsédés par le fait d'éviter les maladies que dans certains cas, ils finissent carrément par en créer d'autres. Par exemple, en pratiquant des césariennes de façon excessive dans certains hôpitaux pas très bien cotés. Tandis que les sages-femmes, à force de vouloir faire en sorte que tous les accouchements se passent de façon classique, qu'on appelle dans l'article plus bas, vous verrez, de façon naturelle, même si le mot est complètement vide de sens comme on l'a vu, elles détectent pas à temps certaines complications, ou alors des maladies qui auraient pu être évitées et qui obligent à appeler le gynéco en renfort d'urgence. Je continue la lecture, écoutez bien, c'est très important. Je ne puis contester que des abus médicaux existent. J'ai trop de témoignages de décisions discutables que me rapportent mes élèves. On ne peut non plus contester certains égarements de sages-femmes qui, par souci de respecter la nature, amènent les mamans dont elles ont la charge dans des comportements à risque, au minimum inconfortables. Et voilà. Et voilà tout le problème. À quel sein se vouer, sans mauvais jeu de mots. N'ayez pas peur, l'examinateur de compétences contient quelques astuces qui vous permettront de dégrossir la plupart des énormités. Emmanuelle Katz, par exemple, une pédiatre dont on reparlera parce qu'elle m'aide à préparer cette émission, elle a une série de punchlines que je trouve plutôt intéressantes. Bon alors, comme toutes les punchlines, c'est dit sur un ton très absolu, bien entendu, il y a des exceptions, des variations, mais l'idée est là et c'est très facile à retenir. Emmanuelle Katz dit ceci au sujet des métiers qui tournent autour de la maternité. Moins on est compétent, plus on veut se rendre indispensable.
Alors comme je le disais, c'est bien sûr pas systématique, mais l'idée est là. Hein, votre meilleure amie qui a déjà accouché deux fois, elle va probablement se comporter comme un gourou. Qui sait tout, qui a les bons conseils à donner, qui a l'expérience, tandis que votre gynéco, qui est quand même vachement plus compétent, ben lui, il utilisera des termes plus prudents, plus nuancés. Et puis surtout, il vous laissera le choix sur quantité de sujets. Il va pas essayer de se rendre indispensable au-delà de ce pourquoi il est là. À part tout ce qui est indispensable, il tentera pas de vous convaincre. Dans tous les cas, respirez un grand coup et rassurez-vous, presque tout ce qui est indispensable est obligatoire. De même, presque tout ce qui représente un choix est une question d'opinion, donc de confort, de conviction. Il n'y a donc pratiquement pas de mauvais choix dans tout ce qui représente un choix. Je dis presque parce que quand une doula vous affirme par exemple qu'il faut refuser la césarienne à tout prix, ce qui est un exemple réel qui m'a été relaté par Madame Katz, ben on est sur un gros problème parce que la doula, elle sort complètement de son champ de compétences. Son opinion sur la césarienne n'a pas plus de poids que votre voisin de palier. Alors une doula, pour ceux qui savent pas, c'est un de ces nouveaux métiers qui entourent la naissance, ça ne fait pas partie du corps médical. Une doula est une personne qui, je cite, « apporte soutien et accompagnement moral et pratique à une femme enceinte ou à un couple durant la grossesse, la naissance et la période néonatale ». Donc c'est très tendance, ça surfe sur la mode du bien-être, sauf que les controverses sont plutôt inquiétantes. Absence d'un cadre légal de la profession, dérive sectaire, pas de formation médicale obligatoire, et il n'est pas rare que les doulas s'estiment suffisamment compétentes de par leur expérience pour se prononcer à la place d'une sage-femme, d'un gynécologue, quand c'est pas carrément à la place d'un obstétricien. C'est des choses qui arrivent. Voilà une transition toute trouvée vers une autre fonctionnalité importante de l'examinateur de compétences, savoir détecter les compétences qui n'en sont pas. Et là, si la pilule est passée au sujet des doulas, je vous préviens que dans les minutes qui vont suivre, vous risquez de pas aimer ce que je vais dire, mais pas du tout. Parce que le monde de la maternité est envahi par ce qui s'appelle les pseudo-sciences, c'est-à-dire les disciplines qui ont toute l'apparence d'une science, mais qui n'en sont pas. Et ce qui est dur à comprendre, c'est que quand on qualifie une discipline de pseudo-science, non seulement elle n'a pas pu prouver son efficacité, mais en plus, on a pu prouver son inefficacité. Comment de telles disciplines se retrouvent au sein de l'hôpital ? Eh ben c'est très facile, vous êtes très nombreux à en faire la demande. Le marché est donc juteux. Et comme les dangers des pseudosciences sont minimisés, même si c'est vraiment pas inexistant, et ça je vais revenir dessus, eh ben ça passe. Vous voulez une comparaison ? Il y a bien des distributeurs de coca dans les couloirs des hôpitaux. Si on les met, c'est parce que vous les achetez, c'est tout, hein. C'est pas parce que... Alors, d'où vient le succès de ces pseudosciences ? Le corps est une machine extraordinaire. Dans notre société, on est tellement habitué à devoir faire quelque chose pour se soigner qu'on a un petit peu oublié à quel point le corps est robuste et à quel point il arrive à se guérir tout seul, sans la moindre intervention de notre part. Je vous le rappelle que le corps se soigne généralement d'une grippe en à peu près une semaine, alors que l'intervention médicamenteuse, elle, permet de réduire cette durée à 2, 3, 4 jours maximum. Mais c'est pas tout, il y a aussi les effets contextuels, j'en parlais tout à l'heure. Ce sont des effets mesurables qui agissent physiquement sur l'organisme, parce que le cerveau, il contient déjà une armoire à pharmacie immense, bien remplie de médicaments, qui va libérer, sans qu'on en soit conscient, suite à certains stimuli extérieurs. Dans l'exemple de tout à l'heure, c'était le bisou magique de maman, qui servait de stimuli, mais vous verrez qu'il existe des histoires pour grandes personnes. Par exemple, grâce aux effets contextuels, il a été largement prouvé, c'est-à-dire il y a plein d'études, que tout ce qui concerne la douleur pouvait être soigné de façon significative, beaucoup plus rapidement que sans les effets contextuels. L'effet contextuel le plus célèbre est sans nul doute le placebo, ça c'est le fait d'avaler une pilule qui en fait n'a absolument aucun effet, et qui va, comme je le disais, déclencher dans le cerveau la production d'endorphines qui calmeront immédiatement la douleur. Et c'est ici que bon nombre d'entre vous vont avoir du mal, parce que je vais aborder le thème des médecines alternatives. Alors moi j'ai choisi le terme médecine alternative, parce que j'avais envie, mais son appellation officielle c'est médecine non conventionnelle. On appelle ça aussi médecine douce, médecine complémentaire, médecine naturelle, médecine parallèle ou encore médecine holistique. Hein, toutes ces appellations, ça désigne la même chose. Ceux qui n'entrent pas dans la médecine conventionnelle, mais se prétend médecine quand même. Quand on n'est pas renseigné et qu'on entend ce terme, on s'imagine un peu naïvement qu'il existe plusieurs façons de se soigner. On imagine un joli portrait de famille. Il y aurait la médecine conventionnelle, une espèce de gros bulldozer, et sa petite sœur, une espèce de vélo en bois. Elle est un peu moins efficace, mais elle est beaucoup moins intrusive. On entend souvent qu'elle n'a pas d'effet secondaire, etc. Il n'est pas forcément vrai. Et on se dit du coup que le bulldozer, la médecine conventionnelle, elle ne contient que les méthodes les plus... Mais les plus quoi, en fait ?
les plus violentes. La médecine conventionnelle contient pourtant une palette de solutions pour pouvoir soigner un patient sans trop le brusquer. Elle contient bel et bien aussi des solutions un peu moins efficaces, mais beaucoup moins intrusives. Vous avez déjà vu votre médecin vous prescrire d'abord un petit truc un peu léger, puis on verra plus tard s'il faut mettre la patate pour soigner. Alors c'est quoi la médecine conventionnelle? C'est les méthodes les plus lucratives? Ah, la peur du complot de Big Pharma, des méchants lobbies qui ne pensent qu'au profit. Mais les copains, vous pensez vraiment que la médecine alternative, elle fait moins de bénéfices que la médecine conventionnelle? On jette un coup d'œil aux chiffres des laboratoires Boiron, le plus gros producteur d'homéopathie. Ou alors aux bénéfices engendrés par les huiles essentielles? Eh, ça douille les huiles essentielles. Bref, vous m'aurez compris, la bonne question à poser, c'est en fait, qu'est-ce qui démarque la médecine conventionnelle des médecines alternatives? À quel moment l'une va dans l'un ou dans l'autre? Et là, désolé, il y a un terme qui revient à tous les coups. Ce qui fait la différence entre une médecine conventionnelle et une médecine alternative, c'est la pseudoscience. Comme on l'a vu, la pseudoscience, c'est très exactement l'inverse de la science. Ce terme, écoutez bien, n'est réservé qu'aux médecines dont on a pu prouver de nombreuses fois, sur tout plein d'études, à plein d'endroits du globe, que leur efficacité était identique à l'efficacité de la guérison automatique du corps combinée aux effets contextuels. Ça ne fait pas plus que ça. C'est-à-dire que ça guérit, mais pas plus que la guérison normale du corps combinée aux effets contextuels. Et bon, à un moment, il faut se poser la question, si avaler une pilule qui ne fait rien fait le même effet qu'avaler un médicament homéopathique, qu'est-ce qu'on doit en penser? Si une seule étude, ou deux, ou trois, prouve que telle médecine alternative est réelle et fonctionne, mais qu'en face, il y a 600, 700, 1000, 2000 études qui prouvent le contraire, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ah ben, vous en pensez ce que vous voulez, hein. Moi, je ne fais que vous donner des informations un peu plus... Donc, lorsque, inévitablement, certains d'entre vous bondiront sur les commentaires pour me dire que ça marche pour eux, pour leur bébé, pour leur chien, merci de bien vouloir argumenter par quelle méthode ils déduisent que la guérison ressentie est supérieure aux effets contextuels additionnés à la guérison spontanée du corps. Par quelle méthode vous déduisez ça? Merci aussi de bien vouloir argumenter pourquoi la théorie avancée par la discipline n'a jamais pu être prouvée. Et merci de bien vouloir argumenter pourquoi, quand on fait un test en double aveugle, le résultat invalide l'efficacité de la pratique testée. Bref rappel de ce qu'est le test en double aveugle, parce que ça c'est très très important que vous le sachiez. On prend un groupe de disons 1000 personnes, hein, prises au hasard dans la population. Ces 1000 personnes ont toutes la même maladie, par exemple des maux de tête. Le médecin numéro 1 sépare au hasard le groupe en deux parties égales, de 500 personnes chacun. Le médecin numéro 1 prépare pour le groupe A 500 traitements issus de la médecine alternative qu'on est en train de tester, et 500 traitements qu'on sait parfaitement inefficaces pour le groupe B. Bien sûr, rien ne permet de différencier l'apparence du traitement A de l'apparence du traitement B. Imaginons que dans les deux cas, il s'agit d'une pilule. Le médecin numéro 1 est le seul à savoir quel traitement appartient au groupe A et quel traitement appartient au groupe B. Pour s'y retrouver, il note un simple numéro sur la boîte de la pilule qui correspond au numéro du patient, par exemple. Il donne les 1000 traitements au médecin numéro 2, sans rien lui dire. Ce dernier distribue les traitements aux patients en respectant les numéros d'attribution. Il ne sait pas lui-même, ce médecin numéro 2, s'il est en train d'administrer la pilule de médecine alternative ou la pilule qu'on sait inefficace. En partant de là, on observe la guérison des 1000 patients et on mesure précisément cette guérison. On compare l'efficacité de la pilule de médecine alternative avec celle de la pilule qu'on sait inefficace. Si le résultat n'est pas supérieur, on en conclut alors que la médecine alternative n'a pas une efficacité supérieure à la guérison spontanée combinée aux effets contextuels. Si le résultat est supérieur, alors la médecine dite alternative rejoint tout simplement les rangs de la médecine conventionnelle. Elle a prouvé qu'elle était efficace. Une médecine alternative qui a prouvé son efficacité, on appelle ça une médecine. Ça a été par exemple le cas de l'hypnose, très récemment. Et encore, comme je le disais, pour être vraiment certain qu'il n'y a pas d'erreur, ce test-là, on le reproduit des milliers de fois, par différentes équipes indépendantes, à travers le monde. Et par-dessus ça, on fait une grosse étude qui va se charger de comparer toutes ces études et qui va essayer d'en tirer une conclusion. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Et la méta-analyse, c'est le niveau de preuve le plus élevé qu'on ait réussi à inventer dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien au-dessus qui puisse apporter plus de certitude que la méta-analyse.
Si vous avez des idées, lancez-vous. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, mais comment ça se fait que si on fait 500 études sur l'homéopathie, il y en a quand même une ou deux qui montrent des résultats positifs. Mais c'est très simple. Imaginez que je fais 500 études sur les gens qui prétendent faire un 6 à chaque fois qu'ils lancent un dé. Plus je fais d'études, plus je réalise cette étude, plus il y a de chances qu'à un moment donné, je tombe sur quelqu'un qui fasse un 6 à chaque fois qu'il lance les dés. Et c'est là que ces fameuses études positives apparaissent. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On reprend le protocole qui a été utilisé dans l'étude positive, donc la façon dont ils sont arrivés à ce résultat, et on le reproduit, encore, des centaines de fois. Et là, bah, si on voit que le gars il fait plus des 6 à tous les coups, bah, on se dit que bah, c'est un coup de bol. En tout cas, que c'est ce qui est le plus probable. Vous voyez d'où ça sort? Donc, une étude isolée ne suffit pas, encore faut-il qu'elle soit reproduite avec succès de nombreuses fois, dans les conditions exactes où elle a été menée. On me répond souvent, c'est pas la première fois que j'en parle, que les médecines alternatives, contrairement à la médecine conventionnelle, ne fait pas de mal parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais c'est complètement faux. Et je vous ai mis un petit article dans la description au sujet des dangers des médecines alternatives. Les actes effectués, par exemple en ostéopathie, et les substances utilisées, par exemple en aromathérapie, sont très loin d'être anodins. C'est pas de la flotte, quoi. Ça génère promesses illusoires et faux espoirs, bien sûr. Horrible manque de régulation, parce que ces trucs-là ne se remettent pas en question. Contrairement à la science, ces choses-là sont dogmatiques, quand on sait que la théorie de l'homéopathie a 200 ans et n'a pas bougé d'un iota. Gâchis d'argent et de ressources. Concurrence avec des soins qui sont réellement efficaces. Et ce qui personnellement me fait le plus mal, c'est l'entretien d'une vision anti-scientifique de la médecine. C'est du marabout. Et le marabout, c'est pas réservé qu'aux débiles, hein. C'est parce que c'est convaincant qu'à un moment donné, ça a marché. Je vous recommande d'aller lire cet article avant de vouloir nous imposer votre vision des choses. Voici maintenant une petite liste des médecines alternatives qui se sont invitées, grâce à la confusion que je viens de décrire, dans le milieu hospitalier et la pharmacologie. En lien avec la grossesse, mais pas que. Hein. L'acupuncture, c'est un truc qui m'a toujours fait rire, c'est qu'on a même réussi à prouver que plus le praticien avait une apparence asiatique, plus c'était efficace. L'homéopathie, bon, bah, j'ai fait deux vidéos sur le sujet. Hein. Alors moi, au début, je voulais prouver que ça marchait, parce que ça marchait sur moi. Eh ben non. Allez voir ces vidéos, si ça vous intrigue. Les liens sont dans la description et dans les fiches. L'ostéopathie et la chiropractie. Eh ouais, pseudo-science. En général, ça passe très très mal quand je le dis, mais c'est bien le cas. C'est pas une vidéo sur l'ostéopathie, donc les sources qui sont dans la description sont on ne peut plus claires et on ne peut plus fiables. S'il vous plaît, vérifiez. Ne niez pas un truc juste parce que ça vous plaît pas, ou juste parce que vous avez du mal à le croire. Et en plus, j'ai bossé mon sujet, moi, avant de prendre la parole comme ça sur YouTube, donc allez voir sur quoi je me base, avant de me contredire. L'aptonomie. Ah ouais, je sais. L'aptonomie, c'est une pratique qu'on appelle aussi l'étude de l'affectivité. C'est une discipline inventée par un psychothérapeute après la Seconde Guerre mondiale qui contient un ensemble de techniques supposées augmenter les bienfaits de l'accompagnement thérapeutique d'une grossesse. Donc en gros, c'est censé rendre tout mieux. J'ai des amis qui l'ont fait et ils ont trouvé ça génial. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est présenté comme une science alors que c'en est pas du tout une. Mais c'est pas interdit de le faire, c'est juste que les prétentions du machin, eh ben on a prouvé qu'elles étaient fausses. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein, j'en ai déjà cité quelques-unes, il y a l'aromathérapie, la phytothérapie, mais enfin bon, là vous avez les plus classiques. À ce stade, j'ai envie de vous poser un petit quiz. Que penser d'une personne qui témoigne en disant « j'ai accouché par homéopathie et je n'ai rien senti ». Donc réponse A, bah, que la personne ment et se ment à elle-même. En réalité, elle avait mal, mais elle a tellement confiance en l'homéopathie qu'elle s'est imaginée qu'elle n'avait pas mal. Réponse B, que l'homéopathie fonctionne et que les milliers d'études qui n'ont pas réussi à prouver son efficacité et qui ont du coup prouvé son inefficacité sont fausses, trafiquées ou mal faites. Réponse C, que la personne a pu profiter des effets contextuels, que l'administration de son homéopathie a déclenché dans son cerveau la production massive d'endorphines, ce qui lui a permis d'accoucher sans douleur, phénomène dont l'efficacité a été prouvée et mesurée par de nombreuses études. Bon, ben la réponse la plus évidente, c'est quand même la réponse C. Alors, si vous êtes mordu de médecine alternative, pas de panique, hein, tant que ça ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, pas même un petit peu, grosso modo, vous risquez pas grand-chose, à part dépenser énormément d'argent. Vous avez le droit de passer de bons moments avec l'aptonomie. Vous avez le droit de répondre à votre besoin de vous faire croquer chez l'ostéo pour vous sentir mieux. Vous avez le droit de prendre de l'homéopathie et de faire des séances d'acupuncture. Bien sûr que vous vous sentirez mieux après si ça a marché déjà. C'est pas du tout incompatible avec ce que je viens de dire, si vous avez bien fait attention. En revanche, mon conseil,
si vous n'êtes pas bien riche, parce que ces trucs-là, ça coûte, que vous prenez votre grossesse avec philosophie et que vous ressentez pas le besoin d'aller voir un de ces praticiens de médecine alternative qu'on vous propose, que vous vous posiez juste la question de la nécessité de faire une de ces séances puis qu'elles sont si abondamment proposées, eh ben ne perdez ni votre temps ni votre argent et souvenez-vous qu'en règle générale, ce qui est indispensable est obligatoire. Bon, ben j'espère que je vous ai pas trop choqué dans vos convictions et qu'on va pouvoir passer à l'outil suivant. On s'aime quand même. Hein ? Outil suivant, le comparateur de problèmes. Donc après l'examinateur de compétences, voici le comparateur de problèmes. Souvent, pendant la grossesse, vous allez sentir des symptômes étranges. Vous allez vous inquiéter pour toutes sortes de raisons, et la plupart du temps, votre premier réflexe, ce sera d'aller sur Internet. Et à partir de là, bah, il vous faudra environ 3 minutes pour être convaincu que vous avez un cancer, un AVC en préparation, ou une maladie très rare et extrêmement dangereuse. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi ? Quel est ce phénomène qui nous pousse systématiquement à nous inquiéter pour rien? En fait, c'est très simple. Nous préférons généralement accorder notre attention à ce qui crée la plus grosse et la plus forte émotion. Et comme on y accorde beaucoup plus d'attention, eh ben ça apparaît tout d'un coup beaucoup plus probable. Et là, on s'emballe dans le cercle vicieux de la peur. Je le disais dans Versus 2.2, c'est exactement le même procédé qui est à l'œuvre quand un enfant a peur pendant la nuit parce qu'il a entendu son plancher qui craque. Pourquoi a-t-il peur ? Vous lui avez quand même bien répété que c'était la dilatation du bois qui blablabla la nuit. Vous lui avez peut-être même répété 20 fois. Mais il sait aussi qu'un monstre qui marche sur le plancher pourrait provoquer ce son. Comme le monstre est une hypothèse infiniment plus préoccupante que la dilatation du bois, son attention se focalise sur cette hypothèse-là et le cycle de la peur se met en marche. Alors petite question à laquelle je vais vous donner le temps de réfléchir. Elle est importante. Pourquoi précisément vaut-il mieux penser que c'est le plancher qui se dilate, plutôt qu'un monstre affamé qui vient pour le dévorer? C'est vrai, hein? Quelle logique fondamentale nous permet d'écarter l'hypothèse du monstre? Alors bien sûr, les monstres, ça n'existe pas, etc., etc., mais c'est pas un argument, hein? Peut-être que pour la première fois, un monstre existe bel et bien. Et là, votre marmot, il est reparti pour une nuit de cauchemar, s'il se dit ça. Par contre, si vous avez répondu, bah, à cause du rasoir d'Occam, alors là, bravo, vous avez vu juste. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que vous suivez un petit peu tout ce qu'il y a à suivre. Le rasoir d'Occam, on ne le dira jamais assez, c'est un outil de premier ordre. Hein. Il vous permet de savoir quelle hypothèse il vaut mieux tester, croire, favoriser en premier lieu. Le rasoir d'Occam, c'est le principe qui dit que les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Donc autrement dit, on favorise d'abord l'hypothèse qui crée le moins d'inconnu. Donc en l'occurrence, bah, il vaut mieux croire en l'hypothèse du plancher qui craque plutôt que l'hypothèse du monstre, parce que l'hypothèse du plancher qui craque ne soulève pratiquement aucune nouvelle question, tandis que l'hypothèse du monstre soulève infiniment de nouvelles questions. D'où viennent les monstres? Comment est-il entré? Attention, peut-être qu'il s'agit vraiment d'un monstre. Mais pour le savoir, il faudra d'abord exclure les hypothèses les moins coûteuses. En l'occurrence, il faudrait que le plancher craque, oui, mais en plus de craquer, on entend le cliquetis qui ressemble à une griffe. Et là, il faudra évacuer l'hypothèse du chien, etc., etc., etc. Et remonter comme ça jusqu'à se dire « bon ben là, quand même, il y a tout qui indique que c'est un monstre ». Et il se trouve que jusqu'ici, personne n'est remonté jusqu'à l'hypothèse du monstre. Maintenant, pour revenir aux adultes, quand vous avez mal au ventre et que vous voyez sur Internet que vos symptômes correspondent au cancer du placenta, bon, là, j'invente complètement. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que ce cancer très rare soit passé inaperçu malgré les nombreux tests, prises de sang, échographies, etc. qui ont été effectués, comme le dit madame sur le forum de Doctissimo? Ou que vous ayez mal au ventre parce que, hé, vous grossissez presque à vue d'œil, et bah, vos organes, ils sont de plus en plus comprimés. L'hypothèse la moins coûteuse. Alors, certains me diront, oui, mais par précaution, ne vaut-il pas mieux envisager le pire? Le fameux principe de précaution, hein? Et là, je suis un petit peu déçu, parce que, normalement, vous avez déjà tous entendu le problème que contient cette logique. Si on se protège de tous les risques, si on recherche le risque zéro, on ne sort plus de chez soi. On n'ose plus traverser la rue, etc., etc. Et donc, bah, on meurt de faim dans son salon en à peine un mois. Ah ouais, je caricature, mais les faits sont là. On ne doit pas choisir de façon à essayer d'atteindre le risque zéro, mais de façon à essayer d'équilibrer au mieux la balance risque-bénéfice. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre logique possible. Le risque zéro n'existe pas. Vous ne pouvez pas atteindre un truc qui n'existe pas. Ça ne peut pas non plus être votre objectif. Vous allez devenir fou. Et en plus, ceux qui sont vraiment obnubilés par le risque zéro s'exposent, en général, à plus de risques.
sans même s'en rendre compte. Nous sommes fondamentalement des êtres irrationnels. Moi, j'aime bien citer l'exemple des gens qui ont peur de vivre un crash d'avion. Ces gens vont dire que s'ils ont peur de ça, c'est justement parce que statistiquement, ça arrive. Mais ce qui me fait marrer, c'est qu'en même temps, ces gens-là vont vous dire que, quitte à prendre l'avion, autant subir une anesthésie générale pour prendre l'avion et ne pas vivre le voyage en avion parce que la peur, blablabla. Alors qu'en réalité, le risque de mourir d'une anesthésie générale est de 0,01%. Tandis que le risque de vivre un crash d'avion, même pas d'en mourir, hein, vivre un crash d'avion, est de 0,0000... Hein, combien de 0,00001%. Soit un risque 1000 fois moindre. Nous sommes donc prêts à prendre parfois 1000 fois plus de risques pour ne pas être conscient qu'on prend un risque. Nous sommes des êtres irrationnels, tous, sans exception. Et moi le premier. Je pense que c'est une base qu'il faut réussir à accepter si on veut vraiment essayer de devenir plus rationnel et avoir moins souvent tort et moins souvent se faire avoir. Et donc aussi avoir moins souvent peur. Mais c'est pas agréable du tout d'avoir peur. La seule logique qui vous sera imposée par le corps médical, c'est la logique bénéfice-risque, ou risque-bénéfice. Et encore, hein, lorsque le risque est grand, généralement vous êtes sollicité pour prendre la décision finale. Hein, en cas d'opération extrêmement complexe, où vous risquez d'y passer, etc., on vous demande votre accord. Alors s'il vous plaît, laissez votre principe de précaution au vestiaire, hein, parce que la vie, c'est un risque permanent, et ce qu'il y a de plus probable, c'est que votre grossesse se passera parfaitement bien, et que votre enfant sera en très bonne santé. Ça, c'est le plus gros risque que vous prenez. On peut penser que c'est un genre de risque, oui. Le mieux que vous ayez à faire pour vous protéger des dangers et des risques qui sont bien réels, c'est d'une part relativiser, hein, et ensuite utiliser les outils que je suis en train de vous donner dans cette vidéo. N'oubliez pas que quand vous aurez toutes sortes de petits symptômes, ben, la médecine, elle sert principalement à éviter ce qui est grave. Pour tout ce qui n'est pas grave, qui ne représente pas de danger ou qui guérit tout seul, la médecine, généralement, elle n'a pas développé de solution. Quand le risque est inexistant, la médecine n'a généralement pas trouvé de raison de s'investir en temps et en effort humain et en investissement pour trouver un bénéfice. Il n'y a pas de risque. Il y a plus important quand même. On voit aussi beaucoup d'histoires de femmes enceintes qui se plaignent que leur médecin ne prend pas au sérieux les plus gros risques qu'elles ont lus sur Internet. C'est normal, hein, les parents veulent connaître les plus gros risques. Hein. C'est le réflexe de la peur qu'on vient de voir. Mais le but des médecins, c'est d'éviter de faire peur aux parents, parce qu'ils ont la logique du rasoir d'Occam. En tout cas, ils sont censés l'avoir. Privilégions en premier l'hypothèse la plus probable, et non pas l'hypothèse la plus dangereuse. Je sais pas moi, imaginez le médecin avec la logique de la peur. Félicitations, vous êtes enceinte, sachez que même s'il y a très peu de chances, vous risquez de mourir en couche, que votre bébé s'étrangle avec son cordon, vous pourrez aussi avoir de l'herpès et de l'hypertension artérielle, vous risquez la dépression nerveuse aussi, et bien entendu, tout un tas d'allergies, de mycoses, le cancer de... Vous voyez à quel point ce raisonnement est ridicule quand on le développe à fond? Allez, dernier outil, l'évaluateur d'arguments. Après le comparateur de problèmes, voici donc l'évaluateur d'arguments. Vous vous posez une question et tout le monde se contredit. Eh ben, très très bonne nouvelle, parce que c'est en général un bon indicateur de la gravité du sujet qui est débattu. C'est une des punchlines d'Emmanuel Katz. En règle générale, moins le sujet est grave, plus il y a de désaccords. Alors bien sûr, on jette pas tout à la poubelle pour autant, hein. De nouveau, une punchline, c'est une généralité. Mais il est important de bien différencier deux types d'arguments. J'en ai déjà parlé avant, retenez bien ce que je vais dire maintenant. Il y a les arguments qui relèvent du factuel, et il y a les arguments qui relèvent de l'opinion. Quand on est devant un argument qui relève du factuel, il n'y a pas plusieurs possibilités. Si je lâche une pomme, elle tombera. C'est un fait. Point. Personne ne peut en discuter. Il n'y a pas plusieurs interprétations, il n'y a pas plusieurs opinions sur ce phénomène. Est-ce que c'est sûr à 100%? Est-ce que si par exemple je lâche la pomme 100 000 milliards de fois, elle va toujours tomber vers le bas? Tant que personne ne l'a fait, comment en être sûr? Eh bien la logique est simple, jusqu'à preuve du contraire, oui, c'est sûr. Et c'est précisément ça, une vérité de science. La science, c'est l'ensemble des connaissances qui sont vraies jusqu'à preuve du contraire. Je vous rappelle la phrase clé, la science n'avance qu'en cherchant à prouver qu'elle a tort. Comme personne n'a pu prouver que si je lâche une pomme, elle tombera vers le haut, donc jusqu'à preuve du contraire, si je lâche une pomme, elle tombera
vers le bas. Par contre, et c'est là où je veux en venir, si je pose la question « Est-ce bien de jouer avec une pomme alors que des enfants meurent de faim ?» Eh bien ça, c'est une question d'opinion. Il y a des gens qui diront que oui, il y a des gens qui diront que non, et il y en a qui diront « Mais putain, avec quoi tu viens ?» Alors comme d'habitude, l'exemple de la pomme, c'était très facile, mais par exemple, quand quelqu'un affirme que l'homéopathie fonctionne sur son chien, c'est un fait ou c'est une opinion ? Eh bien, c'est une opinion. Aucun témoignage ne peut être considéré comme une preuve. Ça, j'en parlais dans ma vidéo où Nous sommes bien trop imparfaits pour que notre témoignage ne soit fiable. Entre notre mémoire qui se réécrit. Ah oui, notre mémoire se réécrit. Nos sens qui nous jouent des tours. Notre conscience qui nous fait voir les choses qu'on croit intérieurement. Je prends souvent l'exemple du mec qui est jaloux et qui croit que sa femme le trompe. Eh ben, il va voir des preuves que sa femme le trompe, alors que ça se trouve pas du tout. Mais comme il est obsédé par ce truc, et par cette seule possibilité, comme il place l'hypothèse avant les faits, quand il part de son hypothèse, il ne va y rattacher que les faits qui collent à son hypothèse, en occultant tout ce qui viendrait la démolir. Or, il est plus important de faire attention aux arguments contre qu'aux arguments pour. Et notre perception qui est conditionnée par notre environnement, notre culture, etc., 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 les témoignages sont des indices qui doivent nous amener à expérimenter les choses, les confronter au réel, les tester du mieux possible. Comme vous l'avez vu, à moins d'être extrêmement rigoureux, on confond très facilement corrélation et causalité, on croit des choses par a priori, on fait confiance à des figures d'autorité qui n'en sont pas, et on est motivé par la fausse logique de la peur, etc., etc. Si vous vous demandez comment ça se fait que l'homéopathie peut fonctionner sur un chien, bah je vous renvoie à l'histoire de Hans le cheval. C'est l'histoire du cheval qui savait compter. Allez voir dans la description si vous voulez connaître toute l'histoire, parce que là, la vidéo est quand même longue, je vais pas m'attarder là-dessus. Nous sommes des êtres fondamentalement irrationnels. Et à la façon dont on s'est fabriqué des habits pour pouvoir s'adapter à des milieux hostiles, on doit se fabriquer des méthodes pour pouvoir vérifier l'information. Nous devons de développer les meilleures méthodes possibles pour éviter les pièges de ce tout nouveau sujet qui apparaît dans nos vies à un moment donné. La natalité. Mais ça vaut en fait pour tous les sujets, hein. Alors après, on n'est bien sûr pas obligé, hein. On peut aussi considérer que la vie n'est pas si importante que ça. Mais si c'est pas ce que vous pensez, alors les méthodes que je viens d'énoncer sont faites pour vous. Conclusion. Vous êtes à présent armé du détecteur d'a priori, qui permet de reconnaître un qualificatif qui ne veut rien dire, du vérificateur de connexion, pour ne pas confondre corrélation et causalité, du testeur d'accusateur, pour ne pas suivre systématiquement les conseils de ceux qui dénoncent le mieux les problèmes, de l'examinateur de compétences, pour savoir si un professionnel s'exprime bien dans son champ de compétences et si sa discipline relève vraiment de la médecine, du comparateur de problèmes, pour ne plus se faire peur avec tout et n'importe quoi, en privilégiant toujours l'hypothèse la plus probable, au lieu de privilégier celle qui fait le plus peur. Et de l'évaluateur d'arguments, qui vous permet de savoir si un sujet relève du factuel, auquel cas il doit être traité avec la méthode scientifique, ou s'il relève de l'opinion, auquel cas vous en faites un peu ce que vous voulez. Et voilà, mes très chers curieux, en attendant la prochaine vidéo qui parlera de tout ce qui se dit avant le test de grossesse positif, et ben je vous invite à gonfler le rang de mes abonnés, à cliquer sur la petite cloche aussi pour être notifié, à nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire un petit geste sur Tipeee, et surtout, surtout, mes chers curieux, prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne.